je suis une princesse. J'aime les licornes et les paillettes. Quand je serai grande, je me marierai avec un prince libéré, délivré. Salut les deux, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui, premier nid. Alors, c'est pas un nid, c'est le début d'un nid avec une reine de frelons asiatiques, Vespa velutina, qui est dans une cabane, juste là-dedans. Donc, on va mettre des gants plus épais et on va aller la filmer. Allez, à de suite. Allez, c'est parti, on va regarder ça. On rentre à l'intérieur de la cabane. Donc, vous avez vu, hein, c'est un jardin quand même qui a beaucoup d'arbustes. Donc ça attire, et je suis déjà venu l'année dernière faire le nid au même endroit avec une reine, sauf que le nid était complet. Alors je vais vous montrer ça, on va essayer de se rapprocher sans trop l'embêter parce que je voudrais pas qu'elle parte. Bon, ah, elle est partie, merde, va falloir attendre qu'elle revienne. Alors je vais vous montrer le nid, juste là. C'est vraiment le début du nid. Malheureusement, il va falloir que j'attende qu'elle revienne. Allez, je vous dis à de suite. Voilà les dédés. Capturé, ça y est. Bon, elle m'a fait attendre un petit peu, 10 minutes, normal. Bon, allez, Dédé. Capture du premier nid de frelons, enfin, du premier, première reine asiatique de la saison, au Foga, dans mon village, donc tout est parfait. Allez, on se désinfecte les mains, même si on a mis des gants. Covid obligé. Allez, bien, partout, on en profite. Ouais. Chaque intervention, chaque utilisation de n'importe quoi, vous vous lavez les mains, parce qu'on se touche souvent le visage, et c'est ça le plus important. Alors nous, dans notre métier, comme on touche beaucoup de produits, on sait que le visage, avec nos mains, il ne faut pas les toucher, et on se lave beaucoup, donc on est vraiment habitué. Donc là, c'est parfait. Donc je vous montre la petite reine. Ah, vous avez vu, j'ai touché mon visage, un réflexe. Allez, je vous montre la petite reine. Je vais enlever le téléphone de là, je vous reprends. Allez, on est dans la dendébomile. On va essayer de vous montrer la petite reine. J'espère que vous allez bien voir. La boîte n'est pas tout à fait transparente. Hein. Allez, les dédés, on est avec notre amie la reine, sa majesté. Bon, va te cacher, montre-toi, il va te voir. Vous voyez en bas, on voit le petit, la petite attache qui est tombée en même temps. Alors, j'essaie de voir où elle est. Elle est là. Salut, coquine. Voilà, donc je vais la garder. On va voir combien de temps elle va résister. Toujours se cacher, là. Magnifique, hein. C'est magnifique. Elle fait le tour. Elle fait du sport. On voit bien l'arrière de la queue qui montre bien que c'est une reine, hein. Elle est déjà grosse, hein. Elle mesure déjà 3 cm pour le début de saison. Hein. Allez, on fait un tour. Elle est confinée, voilà. T'es confiné comme tout le monde, voilà, comme tous les Français. Tu croyais quoi, avoir toute la liberté? Et non, t'es confiné. Voilà, jusqu'à quand? Je sais pas. Ça dépendra de Monsieur Macron. Allez, tu veux dire quelque chose aux abonnés, là? Première reine capturée, tant mieux, voilà, c'est bien, c'est la saison qui commence. Je pense qu'on aura une belle saison cette année, malheureusement pour les clients et malheureusement pour les gens. Donc faites attention au va-et-vient de frelons,
très très important. Vous avez vu, j'ai sorti une vidéo où on montre les cachettes. Vous avez vu, là c'était une cabane, il y a d'autres cachettes comme ça. Donc nos amis, les petits frelons là, hein, ils savent bien se cacher. Et ma petite théorie des nids pièges pour nous piéger à nous, on va voir cette année si ça recommence. Je vous tiens au courant les délais. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Quoi, t'es pas abonné à Dédé Frelon? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Dédé Frelon.